avertissez quand vous débarquez quand même. Putain, ça fait peur. Non, j'étais en train de regarder la Lune. Ouais. Eh ben, il paraît, je dis bien, il paraît que la Lune s'éloignerait petit à petit de la Terre depuis 2,5 milliards d'années à peu près. À une vache près. Hein. Il paraît que tous les ans, la Lune se retire de plus de 3,5 cm tous les ans. Ouais, c'est les scientifiques hein, qui disent ça, les astronomes, tout ça, c'est... Attends, les scientifiques, parlons-en des scientifiques. On les a vus à l'œuvre pendant le Covid. Hein. Attends, pour dire des conneries, les mecs, c'est pas les derniers. Hein. Attends, ils sont bons à que dalle, les scientifiques, c'est payé à rien foutre. C'est quoi, scientifique? Ça te sert à quoi, t'es un scientifique? Franchement, où, quand, qui? La science. La science. Oh, les mecs, ils inventent des trucs, des fois. Mon pote Gérard. Tu vois, par exemple, je prends Gérard au hasard, parce qu'il est cool, je parle avec lui sur Facebook. Bon, bah, lui, c'est un sachant. Bon, bah, lui, c'est mieux, et plus, qu'un pauvre scientifique de merde, là, qui a fait 10, 12 ans d'études dans un domaine précis, et qui dit des conneries. Gérard, il en sait autant. Mais Gérard, on l'écoute pas, personne veut l'écouter. Donc, elle recule, la Lune. Pff, mon cul, ouais. Attends, mais depuis que je suis petit, la Lune, je la vois là. Hein, je suis désolé, elle a toujours été là. Bon, des fois, elle est là, des fois, elle est là, ça dépend des saisons. Mais elle est ni petite, ni grosse, elle est toujours pareille. Depuis que je suis petit, c'est toujours la même Lune. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, là? Les scientifiques, là, je te foutrais tout ça, là, en Sibérie, là, avec tonton Poutine, là. Tous ces gens qui sont payés à rien foutre, là. Ça sert à quoi, la science? Qui a inventé cette merde, la science? Conneries, mais pouh, là, 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 alors qu'on a toutes les réponses sur les réseaux sociaux de tout en plus, qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des scientifiques de merde?